Monsieur le Premier ministre, je trouve que les hommes politiques parlent souvent de politique étrangère de manière un peu abstraite, un peu lointaine, un peu immatérielle. Alors j'aimerais moi vous poser une question directe et humaine. Est-ce que vos relations personnelles avec les grands de ce monde qu'on vient de voir sur ce film, est-ce que vos relations personnelles avec ces hommes vous ont permis à l'occasion de mieux servir la cause de la France? Oui, la diplomatie est un art, c'est vrai, mais qui conduit à établir des relations avec des hommes de chair et de sang, et qu'il faut connaître. Et les relations que j'ai avec la plupart des chefs d'État et de gouvernement du monde depuis très longtemps m'ont beaucoup servi. Je prends un exemple, les relations fraternelles que j'entretiens avec la plupart des dirigeants africains, et notamment avec le président Houphouët-Boigny, le sage parmi les chefs d'État du monde d'aujourd'hui, m'ont permis de mieux connaître et comprendre les problèmes du développement, de l'endettement, de la misère de l'Afrique. Les relations que j'ai avec le président Reagan, et qui sont anciennes, vous le savez, m'ont probablement permis de mieux le convaincre de la nécessité d'une plus grande solidarité et cohésion dans la défense des pays européens. Les entretiens très longs que j'ai pu avoir personnels, je dirais relativement amicaux, avec M. Gorbatchev, ont probablement aidé à la libération d'un certain nombre de détenus politiques ou de refusniks d'Union soviétique. Et les relations constantes, je dirais presque quotidiennes, que depuis des années et des années, j'ai avec les chefs d'État et de gouvernement européens, qu'il s'agisse de l'Angleterre, de l'Allemagne ou d'autres, m'ont certainement beaucoup aidé dans la négociation qui a conduit à relancer depuis 2 ans l'effort de construction européenne. C'est un élément important. On parle beaucoup de l'Europe pendant cette campagne présidentielle, l'Europe dont Paul Valéry disait qu'elle est la partie précieuse de l'univers terrestre. J'aimerais que vous me disiez, monsieur le Premier ministre, comment vous parleriez de l'Europe à une jeune femme de 23 ans ou de 24 ans, qui pourrait être votre fille, qui est peut-être votre fille, pour la convaincre que c'est une belle idée et que cette idée mérite qu'on se batte pour elle. Qu'est-ce que vous lui diriez concrètement? Je crois que je n'ai pas besoin de la convaincre, elle l'est, mais je dirais à tous ses amis que c'est une grande ambition qui va changer, et dans le bon sens, leur vie, mais qui exigera un effort. Qui va changer leur vie d'abord sur le plan matériel. Demain, on pourra faire des études, quand on est étudiant, à l'université de Heidelberg, à l'université de Londres ou ailleurs, librement. On pourra créer une entreprise ou devenir salarié dans une grande entreprise dans n'importe quel pays de la communauté. C'est important. Cela exigera un effort, il faudra naturellement que nos entreprises soient compétitives, que l'on gère nos affaires avec beaucoup de rigueur. Mais il y a une autre dimension qui est essentielle, et notamment pour les jeunes. C'est que l'Europe, vous le disiez en citant Valéry, est porteuse d'un certain message qui est l'humanisme, le respect des droits de l'homme, la lutte contre toutes les oppressions. Et ce message exemplaire, historique, et qui doit servir de référence aux peuples du monde, ne pourra être soutenu et portée par l'Europe, que si elle est suffisamment puissante pour être entendue, face notamment aux géants qui se développent en Amérique ou au Japon, etc. Et pour qu'elle soit suffisamment puissante, il faut qu'elle soit unie pour faire face aux exigences de demain. Et c'est ça le grand défi. Mais cela implique également pour les jeunes un effort, notamment celui d'apprendre les langues étrangères, ce qui n'est pas spontané chez nous. Il faudra demain que, comme dans d'autres pays européens, les jeunes en France soient bilingues et peut-être trilingues. Est-ce que vous ne croyez pas que l'une des vocations de l'Europe est aussi d'exporter la démocratie? Est-ce qu'il n'y a pas un effet contagieux de la démocratie qui doit se développer? Si, c'est ce que j'évoquais avec le message humaniste dont je parlais. La démocratie, qu'est-ce que c'est? C'est le respect de l'homme, c'est le respect des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et l'Europe ne pourra assumer ce message et être donc cette petite flamme de liberté que les peuples opprimés, notamment à l'est de l'Europe, attendent de nous, qu'à condition que nous soyons forts, et pour cela, nous devons être unis. Thank you.
je constate, monsieur le Premier ministre, en lisant la presse, comme tous les Français, que monsieur Mitterrand parle beaucoup de désarmement ces temps-ci. Et cela m'étonne d'autant plus qu'il y a quelque temps, il avait au contraire une attitude très dure sur ces sujets. Il avait même dit, si je me souviens bien, les pacifistes sont à l'ouest, certes, mais les fusées, elles, sont à l'est. Alors, comment expliquez-vous cette évolution radicale? Il y a peut-être quelques considérations électorales, mais je ne veux pas, dans ce domaine, polémiquer. Ce que je veux, en revanche, c'est que les Français comprennent bien ce qu'est le désarmement. Le désarmement est naturellement souhaitable. Quand on voit ces images atroces, avec tant de morts, tant de blessés, tant de richesses perdues, tant de misères et de souffrances assumées par ces peuples, on est en quelque sorte désespéré et on se sent tout de même un peu responsable. Alors le désarmement, oui. Mais le désarmement n'est pas une fin en soi. Il faut qu'il permette de renforcer la sécurité. C'est ça sa vocation. Si bien qu'aujourd'hui, quelles sont les priorités en matière de désarmement? C'est d'abord l'équilibre en Europe, et notamment la réduction des armements conventionnels et chimiques beaucoup plus importants à l'Est qu'à l'Ouest. Et si nous n'avions pas notre dissuasion nucléaire, nous serions ainsi les otages de l'Europe de l'Est, ce qui n'est pas possible naturellement. Et c'est également la réduction de ces masses de fusées nucléaires qui, au nombre de quelques 12 000, existent d'une part en Union soviétique et d'autre part aux États-Unis. Le désarmement aujourd'hui, c'est cela, essentiellement. L'Europe viendra après. Quant à la dissuasion nucléaire et à l'arme atomique, ce n'est pas une chose mauvaise en soi. Tout armement est mauvais. Mais n'oublions jamais que nous devons à la dissuasion nucléaire la paix en Europe. Et ceci depuis plus de 40 ans. Ce qui n'a pas été le cas dans d'autres continents où la dissuasion ne jouait pas, précisément. Bien sûr, parce que les hommes ne sont pas suffisamment sages pour se laisser dissuader par des armements classiques. Et on le voit avec toutes ces guerres qui existent dans le monde. Tandis que la dissuasion nucléaire est tellement atroce par les effets qu'elle pourrait provoquer, qu'alors elle conduit naturellement à plus de sagesse. Donc, attention, ne baissons pas notre garde, alors que nous devons être vigilants. Et nous devons au contraire encourager Russes et Américains d'une part et encourager les Européens d'autre part à rétablir les équilibres qui renforcent la sécurité par le désarmement. Ces images sont pathétiques. Et je ne sais plus qui a dit un jour que la France a toujours défendu quelque chose de plus que son propre confort. Et que la France, finalement, ne peut pas se permettre de vivre paisiblement à l'ombre du malheur des autres. Alors, monsieur le Premier ministre, si vous êtes élu président de la République au lendemain du 8 mai, est-ce que vous prendrez une mesure, vous, avec vos alliés, pour corriger ces situations pathétiques, pour corriger ces déséquilibres entre des nations industrialisées qui parfois détruisent des excédents agricoles et des nations pauvres qui meurent de faim? Est-ce que vous ferez quelque chose et quoi? Oui, c'est probablement l'un des aspects les plus dramatiques de la vie de notre temps. Et la France ne peut pas dire qu'elle est porteuse d'un message en ce qui concerne les droits de l'homme et ne pas reconnaître le droit des autres, au moins à survivre et à manger. Et nous nous trouvons face à des peuples, notamment des peuples que nous aimons profondément, je pense à l'Afrique, qui sont en train de dériver vers une plus grande misère, qui n'ont pas les moyens de leur développement, où la famine, où la maladie se développe. Et nous voyons en face de cela des problèmes posés en Occident et qui consistent à détruire des excédents agricoles, d'où le grand plan que nous avons proposé
d'aide alimentaire, à la fois pour développer l'agriculture dans ces pays, mais également pour leur apporter ce dont ils ont besoin et quand c'est nécessaire. Et puis il y a autre chose. Il y a cet endettement cruel dont nous sommes pour une large part responsables et qui les étreint en quelque sorte, qui leur supprime les moyens de vivre, mais qui leur supprime aussi et peut-être expire encore l'espoir d'en sortir et pour lequel nous devons prendre les mesures qui s'imposent afin d'en réduire les effets. J'ai fait à cet égard un certain nombre de propositions. La France a toujours été, je dirais, à la pointe du combat dans ce domaine, celui du développement, celui de l'aide à l'extérieur. Et j'observe aujourd'hui qu'elle est le pays qui envoie le plus de jeunes, le plus de médecins, là où on en a besoin dans le monde, pour faire face à la misère de l'homme. Mais ce n'est pas suffisant. Et surtout, la France se doit aujourd'hui d'entraîner les autres. Si les États-Unis et le Japon faisaient par tête d'habitants le même effort que nous, ces problèmes seraient pour une part réglés. Nous devons donc très clairement être les moteurs, au nom d'une certaine idée de l'homme et au nom d'une certaine idée de la morale internationale, au nom aussi de nos intérêts qui supposent une certaine stabilité politique dans le monde, nous devons convaincre les grandes nations industrialisées d'être à l'image de leur jeunesse, c'est-à-dire plus généreuses. Monsieur le Premier ministre, en conclusion de ce bref entretien, je voudrais vous poser une question très directe. Vos partisans, mais aussi vos détracteurs, vous reconnaissent une bonne dose d'énergie. J'aimerais savoir tout simplement, à brûle-pourpoint, quelle est la source de cette énergie? Qu'est-ce qui fait agir Jacques Chirac dans l'existence? Je voudrais vous dire tout d'abord, Monsieur Wajsman, que une longue expérience des affaires internationales me conduit à rappeler que cette énergie de la part d'un chef d'État ou de gouvernement est une nécessité absolue si l'on veut avoir la foi et la capacité de défendre à la fois les intérêts de son pays et aussi une certaine idée de la morale dans le monde. C'est capital. Et cette foi, cette énergie, ça suppose une conviction. Et ma conviction, elle est toute simple. Elle est d'ailleurs heureusement partagée par un grand nombre de Français, peut-être de plus en plus, notamment dans la jeunesse. Cette conviction, c'est que j'aime la France et que je veux me battre pour elle.